en direct de la Savoie. Ouais, à côté de Chamonix. Voilà. Hier, on était à Bourg-en-Bresse. On avait à peu près 26 degrés. On était en t-shirt, tout ça, il était super beau. Et hier soir, on est arrivé à côté de Chamonix. Et là, il fait froid. Ouais. Il fait froid, donc on a remis les pulls. On a allumé le feu. Voilà, hier on a mis le petit poêle à bois. Il a flambé hier soir. Et pour préciser aussi, on a fait une pizza chauffée sur le poêle à bois. Ouais, voilà. On a fait la pizza sur le poêle. Sur le poêle à bois. Et du coup, bah là, non, on avait prévu de la pluie, Et il pleut pas. Il pleut pas. Alors, on en a profité pour faire une balade en montagne. Et ouais. C'est super beau. Et c'est magnifique. Ouais. Aller aux Alpes. Ouais, dans les Alpes, là, les petites balades nature et tout ça, c'est, top. On va vous montrer un petit peu. Là, on est sur un petit pont, c'est pour ça qu'on entend le bruit de l'eau. Ouais. Allez, on vous montre ça. On entend mal. Et voilà. On a ça et on a même la chance, on a quelques rayons de soleil. Donc c'est vraiment top. On s'était dit, on voulait vraiment absolument faire une petite balade nature. Ça donne envie de se baigner, mais on a bien d'autres bien fraîches quand même. Hein. Oh, mais... Et du coup, là... Il a neigé cette nuit. Et il a neigé cette nuit, oui. Parce qu'on ne voit pas de là, mais il en fait, juste derrière, il y a un glacier qu'on a vu en arrivant. Et donc, il était bien bleu. Et en fait, ce matin, il était bien blanc. Et on voyait de la neige autour. Donc, il a dû neiger en altitude cette nuit. Donc, nous, il a plu, mais là-haut, il a neigé. Sur les grandes montagnes, là, tu peux se mettre à plein de neige. Et après, ça devient bizarre. C'est ça, vous mettre des petites photos. C'était pas aussi blanc que ça, hier, quand on est arrivé. Ouais, c'était bleu blanc. Donc voilà, on profite de la nature, franchement le soleil là c'est le top. Pour un temps qu'on devait avoir tout pourri, bah, c'est pas trop mal. Donc on prend ce qu'il y a à prendre, puis bon bah s'il pleut vraiment les jours d'après, bah, au moins on aura pris ça. S'il fait froid les jours d'après, bah c'est pas. Ouais, on a glané un petit peu de bois hein, pour, au cas où. Bon, voilà. Donc on reste quelques jours en Savoie et puis après on devrait prendre une direction Grenoble dans quelques jours. Voilà, direction d'Isère. Voilà. Allez, à plus! À plus! Salut la tribu! Petit réveil le matin. Un petit réveil, ça fait déjà au moins 3 heures qu'on est levé, mais on vient seulement de sortir car c'est aujourd'hui, c'est pluie. Il a plu toute la nuit là depuis quasiment 3 heures, là, ça s'arrête pas là. Donc voilà, il fait pas chaud. Il fait 7 degrés je crois dehors. Là. On a allumé le poêle là. Et regardez en haut quand je vous dis qu'il fait pas chaud. C'est que là-haut, c'était pas de la pluie, c'était de la neige. On a tous les reliefs qui sont enneigés là. Ouais, je sais pas si là on voit. Ouais. Donc on se connecte avec des saisonniers, car on s'est fait un petit peu. On s'est fait mettre un petit dépliant au niveau de Tégaré, un petit peu plus bas, à côté des chemins de randonnée. On s'est fait mettre un petit dépliant par la police municipale en disant qu'ici il y avait des règles et que les camping-cars ne devaient pas se garer n'importe où. Donc bah, on est monté un petit peu plus haut sur un parking et puis bah, du coup là on se cote avec tous les saisonniers. Et en effet il fait pas chaud parce qu'ils ont tous les cheminées allumées. Donc voilà, nickel. Donc on est bien, on n'était pas tout seul cette nuit, tout était éclairé là ici. Donc on est pas mal là, ça fait du bien. On a la rivière qui passe juste en bas. Donc ça fait un petit bruit de fond sympa. Donc voilà. Là on chauffe. Les zouzous ils dorment encore. À mon avis on a entendu des fenêtres s'ouvrir. Ah, il y a Arthur qui est... Je sais pas si on voit. Ouais. On voit pas si on voit. C'est croisé les doigts en ouvrant sa fenêtre. Je peux rester au lit, hein. Il fait pas beau. Hein. Hein? Ton petit déj, tu veux que je te ramène ton petit déj au lit? Non mais puis quoi encore? Non mais...
Donc voilà, on est un peu comme tout bien ici. Bon ben, j'ai pas pu résister. Il y a Arthur qui a demandé d'avoir le petit déjeuner au lit. Et voilà, c'est chose faite. Jus de pomme Madeleine. C'est ça. Voilà. Et le gobelet, hein. Ouais, il est là-haut. Ouais, pas de blague. Oh là là. Ah, si le jus d'orange il tombe, c'est terminé. Non, si j'ai jamais... pomme, si le jus de pomme il tombe. Bon, allez, je vais ouvrir mon paquet. Et traînez pas, il y a de l'école. Hein. Non plus. Hein. Ouais. Et puis on va sûrement partir dans l'après-midi. Ouais, en fin d'après-midi. Oh là, ça sent la catastrophe son histoire. Toi. Oh là 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 là. On va sûrement partir parce que là ils annoncent de la pluie, le week-end de crotte. Quitte à ce qu'il pleuve, on va faire de la route. Hein? Ouais, ça va être mieux. Et puis on va descendre du côté de. On va aller trouver du beau temps. Ouais, on va essayer de trouver du beau temps du côté de Grenoble. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, à la vôtre, hein! Ah ouais, Arthur, vas-y, on fait de chine! En même temps, dehors, il fait pas beau et tout, là. Prends ta Madeleine! C'est bien, c'est que. Enfin. Chine! La tribu! C'est bien, c'est que, bah, en fait, le fait qu'ils aient chacun leur chambre, on n'est pas les uns sur les autres. On peut déjeuner tranquille pendant que. Et si vous voyez, là, il y a le mur entre Arthur et moi. Ouais. La mûre, et puis je sais pas si je vous ai fait montrer, il y a la petite communication. Ah, ouais, oui. Si on voit le petit. Attends, faut allumer la lumière à mon avis. Et voilà. Ah. Là, c'est Arthur voilà. Qui met sa main. Ils ont leur petit. Coucou. Voilà. Puis Arthur, il a la même chose de l'autre côté, avec un verrou de chaque côté. Et attends, je vais montrer le verrou. Elle est avec la capucine. Et regardez, je montre le verrou. Voilà. Comme ça. Et en fait, chacun, ils doivent avoir. Ils ont leur verrou. Voilà. Comme ça, l'autre, il peut pas embêter l'autre pendant et que. Et moi, ce qui est bien, c'est que papa, du coup, c'est pratique. Ouais, enfin, mais moi, Capucine. Ça tire, mais ça fait ça, Capucine. Ah oui, bah ouais, j'avais fait un truc aussi. Mais bon. Moi, ça fait ça. Et ça tombe là. Ouais, mais il suffit. Bon, ouais, mais bah, comment ça se fait qu'Arthur, lui, il arrive à. Il arrive à bah, à le tenir. Parce que il a le truc électrique. Lumière. Ouais, ouais. Donc, ouais. Non, mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, bah, il sort pas la main, c'est comme ça que ça fait des histoires. Ils sont excités encore là. Puis on a Vinciane qui fait encore la broderie. Là. C'est ça, c'est de la broderie, je fais pas de bêtises. Oui. Oui, c'est de la broderie. Ça avance doucement, doucement. Ouais. Faut pas être pressé. Faut hein. Pas être pressé. Hein. Non. À la broderie, oui, c'est très, très petit. Peut-être qu'un jour, elle nous fera des logos le Vicar. Hein. Alors, par contre, la vue, c'est pas terrible. Voilà, on a juste des. Par contre, on regarde là-haut. Je sais pas si vous arrivez à voir là-haut. On a quand même la vue sur les montagnes. Donc là, je sais pas combien il y a de mètres, mais il y a bien. Il y a, allez, on va dire 100 mètres, peut-être 200 mètres au-dessus de nous, et bah c'est de la neige. Hein. C'est de la neige. Ça a bien plu cette nuit, donc bah, comme il a fait bien froid là-haut, il fait froid ici. Et là, nous, on s'en fiche parce qu'ici, on a combien? On a 28. On a 28 degrés. Je suis sûr que là où on s'est baladé hier, oui, il y avait de la neige. Maintenant, il y a de la neige. Ah, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Je dis, je sais pas. Hein. Que je dis 100 mètres, mais c'est 100 mètres de dénivelé. Non, mais on est pas mal monté. On est monté quand même pas mal. Et je suis sûr que là, c'était ouais. sur ce coteau-là. Mm-hmm. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on est retourné là, on a de la neige. Ouais. Et on a Nestor, lui, qui hiberne. Il a le goût de salut, chien. Si moi, il pleut dehors, c'est mort. Il est pas sorti depuis hier soir. Depuis hier soir, il est pas sorti. Ouais. Hier, c'était trop bien. On a mangé une raclette chez le cousin à Vinciane. Bah voilà, on en profite pour venir ici pour voir la famille et tout. Ouais. Et donc ça fait du bien, une petite raclette en famille. Notre première. Ouais, notre première. Ouais. Et du vrai fromage. Et du vrai fromage. Ouais, voilà. Bah l'avantage ici à Chamonix, c'est que bah le fromage il vient de juste à côté.
Voilà, c'est des producteurs locaux. Voilà, c'est pas du fromage industriel, un peu comme nous, dans des barquettes, comme on a par chez nous. Et là, il est local, le fromage. Voilà, les amis.